Salut les jardiniers! Aujourd'hui, c'est excitant. On parle du EC. Et oui, l'électroconductivité. Donc, ce que c'est que c'est tous les éléments qui sont disponibles dans le sol en temps réel. Donc, pas demain, pas hier, mais aujourd'hui, vous pouvez vérifier ça. Avec quoi? Non, pas avec ça. On a un beau crayon ici qui s'offre à vous. La compagnie Anna fait ça. Donc, on peut aller voir dans votre jardin qu'est-ce qui est disponible pour vos plantes, l'échange qui se fait entre le sol et vos plantes, s'ils sont capables de se nourrir ou non. Hé, hey Romain, toi qui es en horticulture, tu connais ça, l'EEC? Non, je vous entends tout le temps parler d'EEC, mais qu'est-ce que c'est l'EEC? Donc, en plus du bon instrument pour mesurer ça, il nous faut savoir de quelle eau on part. Donc, certains gens à la maison possède un système comme celui-ci, d'osmose inversée. Ça permet de nettoyer l'eau complètement des éléments qui sont à l'intérieur de cette eau-là. Donc, sinon, on peut prendre l'eau directement du robinet, qui, elle, est traitée normalement par la ville. Donc, comment qu'on fait pour savoir la différence de charge entre les deux eaux? Eh bien, il nous faut les instruments qu'on vous montre en ce moment. Donc, on doit déterminer, premièrement, si notre eau est convenable pour la culture. Donc, on va aller mesurer ça. Ouf! T'as essayé de m'avoir, mon Nick. Ça, c'est l'eau du puits. Beaucoup trop haut, c'est pas bon. On pourra pas mettre nos nutriments là-dedans. Donc, on va éliminer cette eau-là. Ensuite, ici, il semble y avoir une belle eau. C'est l'eau à osmose inversée, ça c'est parfait. Donc, on a nos trois verres d'eau égales avec notre eau clean osmosée. Ensuite, on va aller chercher une seringue graduée pour mettre ce qui est recommandé et faire un test fiable. Et on va chercher nos nutriments. Bien important, on n'oublie pas de le shaker pas mal. Et puis, on va chercher ça directement au fond. Et voilà. Donc, on a ajouté des nutriments aux trois verres, des quantités graduellement plus grosses de nutriments. On va pouvoir vous montrer avec le crayon exactement ce que ça donne, parce qu'en fonction du jardin, des fois, on a des carences, on doit mettre plus de nutriments, on peut en mettre moins en fonction de notre eau, qui serait trop chargée déjà à la base. Donc, ça nous permet d'ajuster. Donc, on peut vraiment voir la différence d'un mélange à l'autre, de quelle façon on peut mesurer avec le crayon ce qu'on doit mettre ou ce qu'on est en train de mettre en temps réel dans le jardin. Alors, c'est ça, l'électroconductivité. On se demande comment le vérifier. Il n'y a rien qui peut nous le montrer. Eh bien non, il y a un crayon qui peut nous le montrer. Alors, profitez-en. Sur ce, santé!